Alors ça va bientôt faire un an au mois d'octobre. J'ai commencé avec un cosplay assez simple. Et là, c'est mon troisième cosplay. Moi, c'est déjà 5 ans. C'est assez récent. J'ai commencé en février 2018. Ouais. Peut-être 6 ans. Bonjour, déjà. Je voyais des gens qui allaient en convention, souvent en costume. Quoi. Et je m'étais dit, bah, ce serait fun d'y aller. J'ai commencé avec Vegeta. Les gens, ils ont apprécié. Ils ont trouvé que c'était très réaliste. Donc du coup, j'ai enchaîné avec Vegeta d'une part et d'autres personnages de Dragon Ball également. Ah oui, c'est devenu une vraie passion maintenant. C'est devenu une vraie passion et je pense que maintenant, à toutes les conventions, je suis là. C'est un plaisir que je fais ça et je rencontre des gens intéressants, dont Levi. Je suis une fan de manga, et en gros, la première convention où je suis allée, je connaissais pas du tout et j'ai vu plein de cosplayers et du coup, je me suis dit, ah, j'ai trop envie de faire la même chose. Et voilà, ça a commencé. Pareil, je suis super fan depuis petite et je voulais trop en faire. À la base, j'aimais bien One Piece et tout. Et quand j'ai commencé à aller en convention et j'ai vu plusieurs personnes déguisées, je me suis dit ah ouais c'est con, je suis pas des cosplayers et tout, du coup je me suis dit pour le fun, allez hop. Je voulais en faire, mais comme j'étais pas du tout bien dans mon corps, j'ai perdu du poids et suite à ça je me suis vraiment mis au cosplay. Alors d'habitude on fait nos cosplays nous-mêmes et là en fait c'est vraiment genre un truc de dernière minute qu'on s'est décidé de porter genre il y a 2 jours, genre il y a 2 jours. Les deux. Par exemple pour Sabot ici, j'ai tout acheté mais séparément, il n'y a rien d'officiel. Ça dépend, des fois il y a des trucs qu'on peut pas faire soi-même, du coup on achète, mais je préfère quand même faire. Un peu des deux. La plupart des articles de mes cosplays, je les achète évidemment comme ils existent déjà. Ce que je fais moi-même, c'est des transformations à partir de trucs que j'ai déjà. Par exemple la wig, c'est une wig un peu plus longue normalement. Pour femme, et je l'ai un peu taillé pour que ça ressemble plus à la coupe de Trunks. Après, il y a plein de trucs qui fait main. Je dirais 110, 150. Acheter en vrai, on peut en avoir pour 50 euros, pour ça que ce soit. Ouais, et vraiment, fait main en général, c'est beaucoup de dépenses au fur et à mesure. Je pense que c'est déjà monté à 100 euros. Ça peut coûter entre 50 et 100 euros. Tant que c'est pour la passion, c'est un bon investissement pour toi. C'est ça. C'est-à-dire quand on aime bien, on ne compte pas, tu vois. Mais j'essaie quand même de ne pas trop dépenser parce que ça devient une addiction. J'essaie de prendre des prix assez raisonnables que je commande souvent sur Internet. Et j'essaie de réutiliser les mêmes accessoires aussi pour plus en plus. Moi c'est Edward Elric de Fullmetal Alchemist, c'est genre mon manga préféré de tous les temps. C'est le premier cosplay que j'ai fait, c'est Vegeta. En fait c'est déjà Sabo mais encore vraiment amélioré un maximum. J'aimerais trop faire Link ou être le Twilight Princess et sinon en ce moment j'ai trop envie de faire Gilgamesh, caster de Fae. Voilà. Je pense que je l'ai déjà fait, c'est Ace, mais en mode vraiment badass, genre stylé. J'aimerais bien faire Cheetah dans Le Château dans le Ciel. J'ai fait grave des bonnes rencontres avec les cosplays, même si c'est pas forcément top au début. Et en vrai, c'est grave créatif aussi. Si t'es au milieu du taf, les études, ce genre de trucs, c'est grave un truc qui peut permettre de t'échapper et de faire des trucs à côté. Donc c'est vraiment bien. Faut surtout pas hésiter à débuter. Et ensuite, une fois qu'on en fait un, on en fera tout le temps. Alors, en général, on commence ça, c'est par patience. S'il y a un personnage qu'ils adorent faire, ils peuvent commencer par ça. Quoi. Ça peut être un truc assez simple. Ça peut être un Pikachu, ça peut être un guerrier CN. Qui commence avec ça, au fur et à mesure. Je pense qu'il y aura assez de retours positifs. Ça t'encourage à t'améliorer et à continuer à faire ça et faire d'autres personnages tant que tu gardes le plaisir. Il y en a des fois qui hésitent parce qu'ils ne savent pas créer le cosplay. Du coup, ouais. Même acheter des fois, ça a une mauvaise réputation. Du coup, ils n'osent pas se lancer. Moi, je pense qu'il faut vraiment faire ce qu'on veut. Même si au début, c'est compliqué de faire un cosplay tout seul, c'est comme ça qu'on apprend. De toute manière, on a tous commencé en étant... En cousant à la main comme ça et en faisant n'importe quoi. En commençant avec des projets qui sont pas trop compliqués, en vrai, il y a plein de tutos maintenant sur internet. Je pense que on peut vite s'en sortir et même si on demande de l'aide dans l'autre endroit, quoi que ce soit, il y a des gens qui peuvent aider et petit groupe d'amis et tout. Même pour le make-up, ce genre de trucs. Quand tu vois la passion dans les yeux des enfants et tout, c'est vraiment top. Ouais, ça c'est la grosse satisfaction que tu as. Tu peux venir, tu fais pour toi déjà, tu vois, parce que
c'est un kiff que les gens font en général, que tu sois jeune, que tu sois adulte, parce que les gens qui se disent que les cosplays, bah, c'est plus pour les enfants. Même si ma mère me rappelle assez souvent que qu'est-ce que tu fous en déguisement, à 30 ans, t'es déguisé, pense plutôt à ton travail, à trouver une nana correcte et à faire des enfants. J'ai pas l'air trop âgé, tu vois. J'ai peut-être nos gènes d'asiatique. Je pense que si je suis encore en forme dans 10 ans, voire même 20 ans, je continuerai à faire. Bah, c'est cool, ouais, franchement, d'être animé par une passion. Si je perds tous mes cheveux, bah, je fais Tortue Géniale. Ah bah, bien, toujours voilà. Krilin aussi, Tenshinhan. Bah, lancez-vous, faites ça pour le fun, c'est tout.